Salut à tous, aujourd'hui une vidéo pour présenter la Parabola GNU/Linux, enfin une nouvelle fois parce que je l'ai déjà présenté plusieurs fois. La nouvelle ISO d'installation étant sortie récemment, j'ai voulu faire un petit test de cette Arch Linux libérée au sens FSFien pour la Free Software Foundation du terme. Donc j'utilise une machine QEMU, on est parti. Bon, je ne suis pas responsable pour l'arrachage de rétine pour les couleurs choisies par rapport à GRUB. Les personnes feraient bien d'en changer un peu. Là, ça fait mal aux yeux. Donc, on passe directement. Donc, c'est un noyau Linux libre 3.3, d'ailleurs, ou 3.24, je ne sais plus. Bref, un noyau 3.16. J'ai mis Gnomi 3.12 dessus. J'aurais bien voulu me passer au dépôt testing, mais je vous montrerai pourquoi je n'ai pas pu par la suite. Donc là, on va se connecter en évitant de faire des fautes de frappe, c'est mieux. Donc nous avons notre ami Gnome 3.12 qui veut bien se charger, j'espère. Petit. Voilà, nous avons notre ami Gnome 3.12 qui tourne sur une Parabola GNU Linux. La localisation, on peut la désactiver bien sûr, respectons la vie privée. Donc on va désactiver la localisation, voilà. Le Parabola GNU Linux libre, soyons précis. Donc vous voyez, elle tourne avec un GNOME 3.12.2. Donc on va désactiver la localisation. Voilà. La localisation est désactivée. Donc c'est un GNOME, tout ce qu'il y a de plus classique. Avec les outils, tout ce qu'il y a de plus classique, notre ami GIMP. LibreOffice, j'ai pris la version, bon, c'est comme une Arch Linux, donc automatiquement, c'est très à jour. Normalement, c'est la version 4, j'ai pris la version fraîche, donc la 4.3.2. Donc vous voyez quand même, bon, ça dépasse quand même pas mal. Et je vous rappelle que je suis sous une machine virtuelle. Ça calme, non? Voilà, le noyau, c'est le 3.16.4, voilà. Compilé il y a 3 jours, et si on fait un cat, etc. issue, on voit que c'est une Parabola GNU Linux. Côté taille, on est dans les 3,8 Go, 3,9 Go. Bon, mais j'aurais pu aussi passer un petit coup de nettoyage, mais c'est pas excessivement lourd. Donc, côté logiciel, pardon, on a pas mal de logiciels. Bon, c'est le logiciel classique. Hein. Il y a bien sûr des petites différences avec la Arch Linux classique. Ils sont surtout très esthétiques. Voilà, bon. Il y a IceWeasel qui remplace Mozilla Firefox, IceDove qui remplace Mozilla Thunderbird. C'est deux grosses modifications. Bien sûr, le noyau Linux libre. Mais normalement, si tout se passe bien, on va pouvoir utiliser à peu près pas mal la distribution. Donc, je vais faire quelques tests. On va commencer par lancer notre ami IceWeasel. Le projet de Debian pour libérer Mozilla Firefox, voilà. Je pense que c'est la page de démarrage d'IceWeasel avec au moins ça mérite d'être clair. Donc il y a DuckDuckGo, la page de démarrage, c'est la version 32, je crois me souvenir d'IceWeasel, la 3203. Donc, est-ce qu'il y a des extensions fournies? Non. Bon, peut-être par défaut. Les langues, bon, j'ai mis le français. Et il n'y a aucun service, c'est normal. Ah, ça pointe sur le dépôt de la Trisquel de Linux. Donc, on va voir s'il nous propose. Ben, désolé pour les sites, mais mercredi. Hein. Voilà, désolé. On autorise. C'est indispensable pour voir la paix. Non, c'est pas mal, ça s'utilise. Voilà. Donc, c'est la liste de IceWeasel. Alors, là, on sait qu'est-ce qu'il y a d'autre. Enfin, de Trisquel. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce qu'il y a un outil à disconnect? Parfait. Bon, je suppose que Ghostery ne doit pas être disponible. Non. Alors, on va voir après si Ghostery n'est pas disponible. On utilisera Disconnect.
Je pense pas qu'il y ait Ghostery qui est un peu trop. Non. Donc on va installer Disconnect pour gérer les cookies. Non, page précédente, bien sûr. C'est pas mal là, j'avoue que c'est bien pratique. Je ne m'attendais pas à sa présence, donc je suis bien surpris. Donc on va rajouter Disconnect. Voilà. Donc là, il m'énerve, c'est normal. Voilà. On autorise. Et on installe. Donc vous voyez quand même, bon, il y a un petit côté, on est libre, 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 mais au moins ça reste utilisable. Donc on va voir ce que donne Prefirst, merci. Mes finances sont un peu faibles, donc pour le moment ça sera de l'essai uniquement. Voilà, si vous n'êtes pas content, allez vous faire voir. Donc là, je vais personnaliser pour ajouter Disconnect. S'il y est, non, il n'y est pas. Alors là, je sais pas comment on peut faire apparaître parce que je n'utilise pas cet outil. Je sais, c'est pas bien. Non, c'est pas celui-là que je voulais. Module, extension, plus. Bon, mais je sais pas où il se trouve. C'est pas bien. Ah, les gars, bien sûr, je cherchais au mauvais endroit. Bon, toi, je vais te déplacer parce que je te veux de l'autre côté. Tu seras mieux là. C'est ça quand on ne voit pas, c'est quand on est qu'on ne voit pas. Donc, pour le moment, on va tester maintenant le niveau de support multimédia. On va aller sur YouTube. Donc, si les vidéos se lancent, on est sauvé. Prendre n'importe lequel. Voilà. Juste pour voir si le son se lance. Bon. Et en même temps, tu comprends pas tout non plus. Quand j'étais petit, je pensais que tout ce qu'on voyait. C'est bon, le son passe. Enfin, du moins la vidéo passe. Maintenant, je vais voir sur mon site préféré, à savoir Bandcamp, que je vous conseille parce qu'il est très très bien sur le plan audio. Là. Donc là, on va changer un peu. Voyons. Qu'est-ce que je vais prendre comme artiste libre? Je me tâte. D'ailleurs, je ne vous montrerai pas. Peut-être, oui. Je crois que c'est la musique libre. À vérifier. Non, alors c'est pas comme ça s'écrit. Je crois que son premier album est libre de mémoire. Sinon, je prendrai autre chose. C'est bon. Donc là, on va lancer. Mais je crois déjà que pour l'audio de la vidéo sur internet, c'est pas mal. Donc, on va voir aussi avec la vidéo, enfin la vidéo tout court. Donc, on va relancer IceWeasel. J'aurais dû penser avant, mais c'est pas bien grave. Donc, là, on va lancer notre ami Big Bug Bunny. Big Bug Bunny. Donc on va prendre une version non libre. On va prendre la version blablabla. On va prendre la version MP4 par exemple. Depuis. On va faire enregistrer. On va pas prendre même. On va prendre quand même une version assez petite. On va prendre celle-là.
vais encore prendre celle-là. Enregistrer les 200 sous. On se pense après une éternité à enregistrer. Bon, c'est bon, 2 minutes. Non, pendant ce temps-là, je vais vous montrer un petit bug que j'ai constaté quand j'ai voulu faire des tests avant de faire la vidéo. Parce que là, je voulais quand même tester la version. Je voulais quand même aller jusqu'au niveau du testing. Pour voir ce qu'il y avait vraiment la parabola dans le ventre. Donc j'ai modifié le fichier, etc. pacman.conf. Là, je le fais devant vos yeux, comme ça vous verrez. Donc là, je vais décommenter tous les dépôts marqués testing, à savoir libre testing, testing tout court, bien sûr, community testing. J'aurais pu aussi décommenter le PCR qui est en quelque sorte l'équivalent d'AUR pour Parabola, mais je préfère ne pas y toucher pour le moment. Voilà, donc normalement les dépôts testing sont activés. On va rafraîchir l'ensemble. Et voilà. Il y a un léger bug au niveau des dépôts community testing qui ne sont pas activables. Donc, si j'avais voulu tester, par exemple, passer pour avec GNOME 3.14, il y a des paquets qui dépendent de community qui ne seraient pas passés. Dommage. C'est dommage. Bon. C'est un des rares bugs que j'ai constaté. Ce qui est quand même assez ennuyeux. Là, non, dans quelques secondes, il aura terminé. Pendant ce temps-là, je vais faire un petit peu de pub pour le réseau Diaspora Étoile. Parce que je me suis réinscrit récemment sur Framablog, enfin sur Diaspora via le pod Framasphère. Donc je vais vous montrer en vitesse à quoi ressemble Diaspora, comme ça vous le saurez. Voilà. Voilà à quoi ressemble Diaspora. En gros. Avec l'ensemble de mon fil diasporesque. Bon, mais ça rame un peu parce qu'il y a des changements en parallèle. Mais voilà, je voulais faire un petit peu de pub aussi à la Framasphère. Qu'est-ce qu'il y a qui n'a pas été lu ? Parfois il y a des petits bugs, mais ça change un peu des fesseurs de Caprin, sous lequel je n'ai aucun compte d'ailleurs. Voilà, donc là on va tester pour voir ce que donne notre ami Big Bug Bunny. Donc comme d'habitude, bien sûr, c'est du Franzosisch, l'affichage en entier. Donc normalement, c'est une vidéo en MP4. Alors, si tout se passe bien, que je n'ai pas fait d'oubli, la vidéo devrait se lancer. Croisons les doigts. Bon, ça fonctionne. Oui. Donc là, c'est pas la peine de repasser ensemble. On va fermer la vidéo. Merci, au revoir. Je vous dis au revoir, merci. À quitter. Voilà. Donc vous voyez aussi, on peut lire les formats non libres comme le MP4. Donc voilà, mis à part ce gros bug de côté testing, l'ensemble est quand même très 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 utilisable. Bien sûr, on est loin de la facilité d'installation d'une Trisquel ou d'une Black Linux, mais au moins on a quelque chose qui est quand même assez jeune et qui permet de redorer un peu le place dans des distributions libres. Allez, je vais éteindre la Trisquel, la Parabola, et puis je vous souhaite une bonne soirée. Allez, à plus!
Mm-hmm.